Yo les gens, c'est Vel, on se retrouve pour un nouveau tutoriel comment cuisiner un burger maison. Alors il faut savoir que pour faire un bon burger maison, il faut 5 ingrédients majeurs. Donc tout d'abord, il faut une viande. Donc moi pour ce tutoriel, j'ai choisi une viande de steak haché. Il faut du pain à burger. Vous pouvez faire avec du pain de mie si vraiment vous n'avez pas. Moi j'ai pris un pain burger basique. Ensuite il vous faut du fromage. Donc moi pour le fromage j'ai pris du cheddar, voilà. Vous pouvez mettre du chèvre ou autre chose si vous en avez envie. Des crudités. De la salade, des tomates, des oignons et des cornichons ou pickles. Le dernier ingrédient c'est la sauce. Donc moi j'ai choisi une bonne sauce barbecue. Mais vous pouvez très bien choisir une autre sauce selon vos goûts. La première étape ça va être de cuire le steak haché. Donc pour cela je vous laisse checker ma vidéo que j'ai réalisée il y a quelques temps qui s'appelle comment cuire un steak haché. Le lien se trouve en haut à droite de la vidéo. Donc pendant que le steak cuit, on va mettre en route le grille-pain pour griller un peu le pain du burger. Il faut faire attention que ça ne crame pas, ça cuit très vite. Lorsque la cuisson du steak est bien avancée, n'hésitez pas à ajouter le morceau de cheddar sur le steak pour qu'il fonde. Donc la première étape, lorsque votre pain a grillé un tout petit peu, c'est d'ajouter la sauce. Donc on va ajouter, d'abord il faut que j'enlève le percule. Ça va être d'ajouter la sauce, donc comme ceci. Hop, alors on a un bon petit paquet. Après on va venir l'étaler un tout petit peu avec un couteau ou ce que vous voulez. Ensuite on va venir mettre le burger avec le cheddar qui a bien fondu par-dessus. Et ensuite, on va venir ajouter les crudités. Donc, moi, je vais mettre la salade d'abord. Un peu de salade. Voilà. Mettre deux bonnes tranches. On va mettre la tomate. Notre petite tomate. On va mettre deux tranches de tomate. N'hésitez pas à aplatir des fois pour que tout tienne vraiment, parce que sinon, ça peut être galère à mettre. Un peu d'oignon. Les pickles. On va remettre un peu de sauce sur l'autre partie du pain. Hop. Là, on étale comme j'ai fait tout à l'heure. On referme en espérant que tout tienne comme il faut. Regardez-moi ça. Est-ce que ça serait pas magnifique comme burger maison? Franchement. Franchement, c'est incroyable. Voilà un petit peu ce que ça donne à l'intérieur. Ça a l'air vraiment incroyable et vraiment, vraiment bon. Voilà les amis, le tuto burger maison est maintenant terminé. J'espère que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications, à lâcher un like si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des suggestions de vidéos, des tutos à faire dans la description. Je lis tous les commentaires. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel.